avec l'artiste musicien Gedali Johnson, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Alpha Dubé. La santé, ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Oui, un petit mot à tous les gens qui nous regardent sur le, à l'instant sur Marafiki. Voilà, je salue tout le monde de partout où vous nous suivez. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est l'homme que nous allons partager avec lui souvent. Moi, je l'appelle l'homme du kilt est raisonnable. Et l'homme de Kasumbale, ça t'adore, Plido. L'homme du kilt est raisonnable, c'est Papa Guilin que je salue en passant. Papa Guilin Chibanga, en tout cas. Frère Gedali Johnson, quelles sont les actualités qui vous fait venir aujourd'hui dans les 7 émissions ZTV? Voilà, merci pour votre accueil. Et merci aussi pour cette opportunité de pouvoir s'adresser au peuple de Dieu. Voilà, nous sommes en préparation d'un événement. Kasumbale Satador, première édition officielle, c'est pour le mois de mai en 2022. Donc, la date n'est pas encore sortie officiellement. Mais avant ça, nous voulons, on va créer un groupe genre base de musiciens. Oui. Donc, ils vont commencer annuellement représenter cette édition de Kasumbale Satador. Et ça va se passer ici à l'hôtel Nissi, ici, voilà. Ah oui? Oui, ça sera le... Ça sera payable, je crois. Non, ça sera gratuit. Donc, ça sera juste quelque chose, nous organisons. Bon, on ne veut pas appeler les gens, quoi tuimbe, mais les gens avec qui nous allons commencer à travailler, des musiciens peut-être connus déjà dans la ville, de jeunes talents, ils doivent adhérer chez Génération Plus Musique, qui est le groupe créateur même de Kasumbale Satador. Voilà, merci beaucoup. Si il faut déjà vous prendre à chaud dans cette émission, donc parce qu'il faut vous prendre déjà à chaud, c'est vous l'organisateur principal de cet événement, pourquoi pas aussi l'événement qui s'est déroulé ici dans la ville de Kasumbale, ça c'est Kasumbale Satador. C'est quoi votre vision? Vous avez quelle vision en organisant ce genre de manifestations? Merci pour la question. La vision que Dieu avait donnée pour cette célébration Kasumbale Satador, elle consiste à réunir les adorateurs de la ville annuellement. Question d'adorer Dieu. Donc, c'est réunir, pas inviter tel, tu viens avec ton groupe, celui-ci vient avec son groupe, mais que nous adorons tous ensemble annuellement. Donc, chaque année, on aura ces moments forts d'adoration. Donc, ça commencera à passer chaque année. Chaque année, nous allons commencer à célébrer bientôt là la première édition officielle. Mais vous avez promis la fois passée aux gens que vous allez préparer cette histoire, je crois, l'événement plutôt de Kasumbale Satador en deux volets. Oui. Premier volet, ça allait être à l'église, je crois, oui. C'était déjà bien passé. Oui, oui. Mais deuxième volet, ça allait être en plein air. Mais qu'est-ce qui a cochonné de sorte que vous puissiez vous produire en plein air? En fait, on a eu quelques complications vis-à-vis au vent qui circulait des corona. Oui. On a eu quelques blocages compte tenu de l'emplacement qu'on avait choisi chez Roger Frem. Oui. Arrivé un mois avant, plutôt quelques jours avant l'action, on nous a dit qu'il n'y avait pas moyen que nous puissions célébrer. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Je suis toujours avec l'artiste musicien Gedali Johnson, l'homme de Anaweza. Frère Gedali, je suis toujours à chaud avec vous. Après avoir enregistré la chanson Anaweza, vous vous êtes éloigné de la production. Là, je vous sens vraiment dans des manifestations, concerts et tout comme ça, mais vous oubliez votre carrière musicale. Parce qu'en étant artiste et musicien, il faut produire des clips. Il faut produire des clips. Vous vous êtes limité à Anaweza, donc pour vous, Anaweza, c'est ça la fin. Même pas. En fait, je travaille déjà sur 3 chansons. L'une où je travailler à Lubumbashi en collaboration avec Insert, donc ce qu'on appelle featuring. Featuring? Oui, oui. Bolingo, c'est déjà en image? Non, pas encore, c'est en audio. Même la semaine prochaine, si Dieu le veut, vous allez diffuser ça avec des photos juste, oui. L'extrait. Et à part ça, au nom encore de Kasumbale Satador, nous travaillons une chanson déjà ici à Kasumbale Satador avec nos jeunes grâces de la ville qui est intitulée Kasumbale Satador. À part ça aussi, j'ai des chansons au studio que je suis en train de travailler, mais bientôt là, je vais lancer quelque chose. Voilà, Frère Gedali, je suis maïf. Oui, on a fait ma sélection comme musicien, Moumouyouan. Parce qu'on a organisé Kasumbale Satador, on a fait la sélection comme musicien, Moumouyouan. Où les gens nous ont fait, où les gens nous ont bien, où les sœurs nous ont fait, où les frères nous ont fait, on a fait.
Au moment où à Kasumbalis, nous avons des talents. Je crois que Wendjo est initiateur ou l'événement. Oui, oui. Pourquoi et sur base de quoi on a fait les sélections? Merci de la question. Parce que la question de Simeon, déjà, ça, je trouve aussi l'opportunité à Kouidibouya en Swahili facilement. Voilà. En fait, premièrement, Koukouban, Touban, Baletourenda, qui intéressait Vision au début, alors que Bibé est au sérieux. Bartopati a ma raison, parce que je suis là, ma organisation est venue à Kouna, un Bili Bininda, Kanibia Bongo. Bon, beaucoup de gens les ont intéressés. Donc, Barco découragé. Oui, Barini découragé. Benguine Touranzana, après un temps, à Manatoka, Manasai Vision, il y en a pour Banabiacha. Bon, vu que Dieu a donné la vision, et j'avais aussi la persévérance et la détermination, et par après, Kintu qui n'a franchi. Maintenant, Bananza Kouya, question pour critiquer qui a tout sélectionné. Benguine Barco a sélectionné Barco. Bartiste, musicien, par son balais. Bon, ni yo, ni sélection, pareil à Bartiste. Pas qu'à Bartiste Benguine, on a trouvé sélectionné. Non, non, on avait intéressé tout le monde de la vision, mais Koubéni va dire retirer. Excepté que va dire retirer. Koukou Benguine, niveau est abo, Anembaka, mais comparé avec le tournoi de Changana, on n'a pas Nakimbia. Nakimbia, donc il veut dire Nakimbia, il y a un grand sapin patakwa pour qu'on vive Wango. Aïna Tani, Koukou, le tout. Voilà, avant qu'on puisse laisser le plateau au journal, parce que déjà j'ai compte citer avec vous, question à Moucho, l'artiste et musicien Guédali. Dans tout ce que vous faites, je crois la musique, nous, malgré nous chantons pour Christ, mais nous visons aussi sur l'argent. Dans tout ce que vous faites, vous vous retrouvez aussi? Bon, jusque là, je dirais non. Jusque là, la musique à Kasumbalé, ça depuis que j'ai commencé. Bon, on dépense, on ne récolte rien jusque là. Kasumbalé, ça t'adore, vous avez organisé comme ça, néant? Oui, bon, pas néant, comme c'est une vision. Voilà, oui. Pourquoi je vous ai dit au début, beaucoup n'ont pas cru. Ben, il fallait mettre les moyens en jeu. Après que quelque chose soit produit, beaucoup plus on n'avisait pas l'argent. Mais d'abord, instaurer la chose. Voilà, et moi, Capella, pour faire au moins plaisir à tous ces gens qui me regardent à l'instant, et puis libérer les plateaux, laisser les journaux passer, je vais devoir recevoir l'artiste musicien, Oulubaranza Witazamani Bikoro Bouindestiro, où je mets aujourd'hui frère.